Bientôt, 11 milliards de personnes et une seule planète. De grands dangers nous guettent. Manque de nourriture, épuisement des ressources naturelles, préservation de l'eau, nouveaux risques sur la santé, l'insuffisance de logements adéquats, des conditions de travail indécentes. Chaque individu, chaque entreprise doit en prendre conscience et désormais se préoccuper du monde qui nous entoure pour préserver la biodiversité et le bien-être de la population. Conscient de la contribution de chacun au principe de développement durable, Le Borgne crée en 2010 sa commission développement durable pluridisciplinaire, impliquant l'ensemble de la direction. Le Borgne décide d'engager 5 axes de travail. Axe 1, environnement. Le Borgne obtient la certification ISO 14001 pour les sites de production de Savoie en 2012. Tri des déchets et valorisation. Suivi précis des énergies et de l'eau. Axe 2, santé et sécurité des salariés. Le Borgne, dans sa démarche de prévention des risques, se préoccupe aussi de ses collaborateurs et obtient la certification OHSAS 18001 en 2015. Il s'agit d'identifier et de réduire les risques d'atteinte à la santé dans nos usines. Les principales actions: suppression produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques sur la chaîne à peinture depuis 2014. Amélioration ergonomie des postes de fabrication. Formation, gestes et postures. Application des 10 règles d'or de la sécurité. Axe 3. Conception d'outils gamme NanoVib. Le Borgne développe une gamme d'outils pour prévenir les risques sur la santé des compagnons maçons. La gamme NanoVib. Vinci Construction France noue un partenariat avec Le Borgne pour équiper ses collaborateurs d'outils NanoVib et ainsi mieux les protéger. Conception d'outils gamme NaturoVert. Le Borgne développe une gamme d'outils pour répondre aux besoins de désherber sans produits phytosanitaires et une gamme d'outils pour ameublir et aérer la terre en préservant la fertilité des sols. Axe 4, achat responsable. Mise en place d'un code de bonne conduite fournisseur qui respecte les normes internationales du travail, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption et l'environnement. Analyse des risques de non-suivi de ce code et plan d'action pour les réduire. Mise en place de partenariats fournisseurs pour la gestion durable des forêts PEFC 100% et FSC 100%. Flotte moins polluante. Axe 5, partie prenante. Le Borgne décide de porter le message de la prévention des risques sur la santé en créant un poste de prescripteur en 2013 et lie des partenariats avec différents syndicats professionnels. Le Borgne décide de porter le développement d'une norme sur la mesure de vibration des outils de frappe avec l'AFNOR. Le Borgne répond aux audits de ses clients et obtient le score ASESIA de 85 sur 100 en 2016. Le Galet, quincaillier professionnel engagé dans le développement durable, nous décerne le trophée du fournisseur responsable. Le groupe auquel appartient Le Borgne promeut sa culture et des valeurs communes. Les salariés sont formés et signent le code de bonne conduite. Livret interne. 2 parutions par an. Un livret fait par et pour les salariés. Semaine européenne du développement durable, conférences et potager. Adhésion au Global Compact en 2016 afin de communiquer notre engagement et de participer à ce projet de société. Et demain, Le Borgne. Protéger l'homme, son environnement et son territoire.